Donc c'est peut-être de cette manière que l'on peut situer l'usage de la carte, par exemple, dans ton dernier ouvrage. Une carte comme représentation et comme expérience préalable au déplacement. Il y aurait dans ce type d'image quelque chose qui relèverait, c'est mon interprétation, du voir et du prévoir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup au Puy, merci à David Bonsoir et à Charlotte d'accueillir cette rencontre. Donc, je suis donc un peu comme à la maison. Je ne suis pas comme à la maison dans le fait de parler des images dans mon travail, mais je suis comme à la maison un peu dans les lieux, donc ça compense. Donc là, moi, je vais parler un petit moment, hein, c'est ça. Tu es libre. Une période de ma vie où je n'ai pas été captivé par le paysage et où cet acte très particulier, qui est plus que la contemplation, la rêverie sur le paysage, n'était pas quelque chose qui était une pratique à laquelle je m'adonnais avec pas mal d'entrain, mais d'appétit. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose de déjà très important, qui s'accordait assez bien à mon tempérament introspectif et puis à un certain rapport au paysage qui implique d'être un peu à distance pour voir les choses et de projeter dans cet espace idéalement disponible, une virtualité d'action, d'aventure, si je pense à la rêverie enfantine. Ce jeudi 31 mai, mon ordinateur a planté. Vais-je retrouver mes données? Bon, rendez-vous dans 4 minutes. Et l'ordinateur n'a toujours pas redémarré.
revenir aux images communes après 5 épisodes tournés sur 2 jours du 24 au 26 mai 2018. 5 épisodes qui deviennent 5 semaines dans l'espace du journal filmé. Étirement et rétractation du temps. Comme si l'énergie indispensable à la poursuite du travail du filmeur était produite dans ce mouvement perpétuel. Tournage, stockage, montage, relancé par le geste de la publication. Comme ces toupies que nous faisions tourner jusqu'à l'épuisement lorsque nous étions enfants, nous avions presque la certitude de pouvoir retenir le temps, de vivre une enfance infinie.